beaucoup pour la découverte de ce métier au public. Oui, c'est une volonté de ma part de... D'abord, un film ne peut pas... C'est forcément très, très partiel. Il manque plein de choses. Il y a beaucoup d'aspects de cette transmission, de cet enseignement qui sont pas dans le film. Il y a un tas de gestes qui manquent. Et puis toute cette dimension relationnelle... il fallait se limiter, il fallait... Voilà, j'ai pensé que, par exemple, la deuxième partie, elle montre, à travers quelques scènes, comment les étudiants apprennent tout d'un coup, ils sont face à des vrais patients et plus face à des mannequins ou des... D'un coup, s'il y a cette irruption, le choc du réel, c'est compliqué. Mais il y a un tas de choses que je n'ai pas pu filmer, montrer dans la deuxième partie, notamment comment il faut aller de plus en plus vite, les pressions qui pèsent sur l'hôpital, sur les institutions de soins, les pressions économiques, le management, tout ça. On peut. J'aurais pu le filmer à condition de rester très longtemps dans un même service. Mais comme j'ai passé une demi-journée ou une journée avec chaque étudiant, je n'ai pas pu vraiment rendre compte de cette dimension-là. Alors moi, je suis très présent, je suis très proche, je suis là. Je ne cherche pas à me faire oublier. J'essaie de me faire accepter. Je ne cherche pas à me rendre invisible, j'en suis incapable, on est trois, quatre. Il y a quelqu'un qui prend le son, il y a une perche, la caméra, quelquefois deux caméras. Dans cette troisième partie, c'est tourné à deux caméras pour pouvoir filmer les formatrices, les formateurs, les étudiants. On est à un mètre, deux... de part et d'autre, et donc, mais bon, petit à petit, les personnes que j'ai cherché à filmer, les protagonistes, se sont habitués à nous. Ils ont compris que j'étais pas hostile, que je ne cherchais pas à filmer les gens à tout prix, à n'importe quel moment, que j'étais attentif à ne pas filmer les gens à n'importe quel prix, à n'importe quel moment, à leur insu, j'étais pas là pour juger. J'explique beaucoup ce que je fais. Je raconte qu'est-ce que c'est que ce film, pourquoi, son destin, c'est un film qui passera au cinéma, puis à la télé, puis en DVD, etc. J'explique tout ça. Les gens... acceptent ou peuvent refuser la caméra. Je ne force jamais personne. Je ne suis pas quelqu'un qui insiste quand on me dit non, je n'y tiens pas. D'accord. Tous les étudiants et formateurs ont vu le film. Ils ont été les premiers à voir le film dès que j'ai terminé le montage. Et les retours ont été très chaleureux. Ils ont été nombreux à me dire qu'ils se reconnaissaient dans ce portrait collectif. Bien souvent, certains ont dit, mais en écoutant un tel, une telle, il dit mieux que moi ce que je pensais, mais que j'arrivais pas à dire. Enfin, il y a eu comme ça. Finalement, les réactions étaient assez peu auto-centrées, finalement. Quand je m'attendais à ce que... D'abord, j'avais un peu le trac parce que vous filmez des gens, puis le montage vous amène à supprimer plein de choses, plein de séquences, quelquefois des séquences très belles, notamment parmi ces entretiens, il y a des choses magnifiques que j'ai laissées de côté, bien sûr. Et du coup, vous savez que ça va être un moment qui sera difficile pour certains.
ils n'ont pas été retenus dans le film. Donc il faut aussi commencer par expliquer que un montage, ça n'est pas un best-of, ça n'est pas le bout à bout des plus belles scènes, mais que c'est une construction qui va exclure des choses. Ce qui veut dire que ceux qui ne sont plus dans le film, s'ils n'y sont plus, c'est pas parce qu'ils sont moins beaux, moins bien, moins intelligents, etc. C'est pour des raisons liées à la construction du film. Je suis un tout petit peu rusé avec les financeurs, qui, notamment les gens de la télévision, qui coproduisent le film et qui auraient souhaité que je me concentre, je centre le film sur 3-4 étudiants. C'est comme ça, moi, à la télé, ils auraient aimé ça. Et j'ai dit oui. Et j'en ai fait qu'à ma tête. C'est-à-dire que j'avais envie de faire un... Qui est cette dimension collective? Qui est cette diversité? C'est pour moi très important qu'il y ait cette diversité sociologique, des gens d'origines diverses, des gens d'âges différents aussi. Il y en a des gens tout jeunes qui sortent du bac, il y en a qui ont un parcours d'aide-soignante. Il y a une dame qui était agent commercial pendant 30 ans et qui, tout d'un coup, à 48 ans, se lance dans ce qu'elle a toujours voulu faire. Une femme de 58 ans, mais oui, en première année, 58 ans, jusque-là aide-soignante, forcément très bonne dans l'apprentissage des gestes et plus en difficulté sur les matières théoriques, la bio, la pharmacologie, le droit. Bon. C'est pas du tout comme vous dites. C'est-à-dire, je vous laissez entendre, enfin, votre question, c'est un peu... Bon, vous filmez en vrac et puis... Après, au montage, vous construisez. C'est pas comme ça. Le tournage, c'est... Quand je tourne, je pense déjà montage. Ça veut pas dire qu'au moment où je tourne une séquence, je sais d'avance qu'elle sera au début du film, au milieu ou à la fin. C'est pas ça. Ça veut dire que, à l'inverse, que quand je tourne, je n'arrête pas de... Je travaille par association, j'associe tout le temps. Une séquence, une idée m'en donne une autre, puis une troisième, etc. Mais par ailleurs, alors j'ai envie de dire, d'une part, que je prépare le moins possible, parce que mes films, ils ne sont pas construits à partir d'une intention ou d'un vouloir dire qui serait massif. Si je fais un film sur l'apprentissage du métier d'infirmier, il faut dire ça, puis ça, et ça, encore, et encore ça, etc., comme s'il s'agissait de faire une démonstration, ou comme s'il s'agissait de traiter un sujet. C'est pas du tout ma façon de penser, de ma façon de travailler. Je suis bien obligé de préparer un peu, de me renseigner un peu, de lire quelques, ou de rencontrer quelques personnes, parce qu'il faut que je produise un texte pour chercher de l'argent. Donc il faut que je puisse écrire 10 pages pour dire aux financeurs voilà de quoi il sera question, voilà où je voudrais aller, voilà un peu l'idée de départ. Mais c'est une idée de départ que j'expose. C'est pas un plan très détaillé. C'est une intention. J'ai envie d'aller voir ce qui se passe de ce côté-là. Pour telle raison, parce que je pense que, etc. Je voudrais voir si... Et après, je dirais, la recherche, je la fais... Avec la caméra, le tournage, c'est là, c'est le moment de la recherche.